Bonjour et bienvenue dans un de nos nouveaux clips Prenons un prédateur ensemble. Aujourd'hui, un clip moderne où on va vous parler optimisation de vos temps de piégeage, car on le sait tous, le piégeur a peu de temps avant d'aller au travail. Il faut aller relever les pièges. Donc, quelques petits trucs et astuces pour vous faciliter la vie. Comme on a pu vous le montrer tout au long de nos clips, vous savez quand vous êtes en présence de notre dispositif phare, le piégeage au billard, au tas de fumier. Dans le même esprit, toujours appâté. Vous voyez, ce fumier, il a été appâté il y a 48 heures. La viande est déjà partie. On lui remet de la viande. Installé en appât tranquille, le dispositif est pratiquement prêt à prendre. Il ne manque plus que vos pièges. Laissez-le revenir une dernière fois avec un espace de temps aussi rapide. N'hésitez pas à multiplier aussi les dispositifs à proximité, car cette façon de faire vous attire tous les prédateurs du secteur. En tenant compte de ça, à côté, on a placé une cage mini jardinée. La viande, dans cette même état d'esprit, est laissée là en appât. Il suffira le jour que vous tendez votre piège d'armer votre cage. Comme vous le savez, le piégeage n'est pas une science exacte. Chaque animal va vous réserver sa surprise. Sur ce type de dispositif, vous pouvez très bien avoir un arc qui vienne, qui passe à travers vos pièges, qui vous déjoue. N'hésitez pas, quand vous voyez le périmètre, à multiplier là encore vos installations. Au moment où vous tendez vos pièges, ce qui est le cas aujourd'hui, je vais aller installer un collet dans la coulée que vous voyez qui arrive du champ. Notre collet est installé, derrière nous notre tas de fumier. C'est ce qu'on appelle optimiser notre temps de piégeage. Donc là, nous sommes en présence d'un dispositif à plan vivant. Vous le savez qu'une fois qu'ils sont tendus, il faut venir les relever tous les jours. C'est fastidieux. N'hésitez pas à mettre de la viande autour. Enlevez vos pigeons, bien sûr. Le dispositif est en place. Une fois que les appâts partent régulièrement, venez mettre vos pigeons et placez votre appât. Dernier conseil pour optimiser vos temps de piégeage. N'hésitez pas à laisser vos cages porte libre, palette dans le sens que vous choisissez. Surveillez-la, quand elle bougera, il sera temps de piéger. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain et dernier clip où là nous parlerons législation.